C'est moi. Bon, vous, c'était bien là-bas. Et la blague du jour et cette mauvaise mascarade. Vous, c'était bien... Enfin, c'est... Comme c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention, hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Au 17, hop. Vaccinez-vous. 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 Et la blague du jour et cette mauvaise mascarade. Vaccinez-vous. Et la blague du jour et cette mauvaise mascarade. Non, monsieur, on bavarde. À partir de demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte. Soyez avec nous. Vous avez la langue bien pendue, bon sang. Et reprenons numéro 17. Vaccinez-vous. Et la blague du jour et cette mauvaise mascarade. C'est moi. Bon, vous, c'était bien là-bas. Nous sommes sauvés, Charles. Analyse bien tout ce que tu manges. C'est possible, enfin, vous n'allez pas prétendre, monsieur le secrétaire général, que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Et alors laissez-moi passer, allez, laissez-moi passer. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel.